Nouveau vlog, nouvelle journée, on commence avec le petit déj. Vous avez des crêpes avec la pâte à tartiner, protéinée, sautesti, oméga 3, complexe articulaire, bien sûr, un shaker de whey, ardeur et une banane. Bon app. Tout de suite après, je pars à la salle, il est 7h du matin, il y a une très grosse journée. Et aujourd'hui, on va aller affronter le froid polaire à la cryothérapie. Je sens que ça va être violent. Et je prépare aussi le shaker pour après l'entraînement. Et alors? Et je pourrais même pas te faire un schéma, tellement tout ça c'est ma tellement joie continue, tellement c'est ma faute à chaque fois, chaque fin. Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Petite canette avant de commencer l'entraînement, energy drink. C'est le seul truc que je bois qui n'est pas de l'eau pendant la journée. Voilà, à part les shakers et ça, et pas tous les jours quand j'en ai. C'est super bon en tout cas, mais c'est sucré. C'est vraiment le même goût que la Red Bull. Vraiment, vraiment, moi je vois aucune différence. Et j'attaque les massages avec ma gourde. Bonjour. Alors souvent avec cet accent tu peux tout finir par des un. Bonjour. Ça fin. Comment t'as les fous hein. Donc là vous voyez aujourd'hui j'ai oublié mes chaussures plates. Alors je fais pieds nus. Et je mets les bandes aussi aujourd'hui. Fragile. Parce que c'est un peu lourd pour mes petites mains fragiles de E.T. J'ai perdu les miennes moi. J'ai tiffissé mes performances par 1,3. Ce compte sa mère. Et au bout de la deuxième, je suis à l'échec. Fait une nouvelle coupe. Ouais, ça va, j'ai bien coiffé là. T'as fait une frange, oui, toujours. C'est bien. Et alors, on s'énerve. Elle s'est énervée, en fait, elle a dit donnez-moi pas votre avis parce que hier elle a mis une photo avec sa nouvelle coupe, si elle a fait une frange. Voilà. Voilà. Et il y a eu au moins 15 commentaires qui lui disaient je préférais avant. Elle a dit mais je n'aurais pas demandé s'il préférait avant ou maintenant. J'ai pas demandé est-ce que vous aimez bien ma coupe. J'ai pas mis regardez nouvelle coupe. Calme-toi. Du coup, j'ai tout effacé. Voilà. C'est parti direction Lyon pour la cryothérapie. C'est à moins 87 degrés. Je sais pas combien de temps on reste dedans. Mais je sens que ça va piquer. Si tu nous le mangeons.
cafés voisins. Nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Avant oublions l'hiver, la bohème. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. Bon, on est enfin arrivé. Avec un petit peu de retard. Bon, c'est pas notre style, d'habitude on est jamais en retard. Jamais. Là, il y a déjà PJ et Julie qui sont en train de tester normalement, donc on les rejoint. Bonjour. Ça va ? Et alors, t'as fait déjà ? Je vais y aller, non, je vais y aller. Ah. Il m'a dit, mets-toi un caleçon. C'est quoi ça ? Ça va, gros ? Et toi ? Ah. Bonjour. C'est dit, attends. Salut, Alex, enchanté. Ah, ok, d'accord, ok. D'accord, ok. Bonjour. Bonjour, Alex, enchanté. Bonjour. 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 Enchanté, pardon, Alex. Enchanté. Bonjour. 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 Tu t'es entraîné avant ? Ouais, ce matin. Ce matin ? T'as fait quoi comme séance ? J'ai fait pec, épaule, triceps, mollet. C'était bien ou pas ? Pas de métal. Pas de métal, bien sûr. Je crois que c'est jamais. Coquille. Oui, en fait, c'est la maillot de base. Ah. Toi, t'es un peu plus gringalette. Tu voulais pas mettre le slip ? La sim ce matin, c'est un peu. Tu prends l'iPhone ? Ouais. Pareil, j'y résiste l'iPhone. Non, 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 t'attends, bouge pas. Ah. On a une prise et puis on peut mettre ta musique. C'est juste que c'est bien avec ta musique à toi. D'accord. Ouais, c'est cool. Ah, ouais, je peux pouvoir. C'est l'iPhone 7. Ouais. Parce que chez Camandine, j'ai froid. Non, mais c'est un mec stressé, ouais, c'est un mec, souvent. Ah, ça, il est très stressé, anxieux, sensible, angoissé. Ça se voit pas, mais je souris. Et toi, t'as quoi d'œil pour protéger tes orteils ? Ok. T'as peut-être dû enlever les gants. Moi qui ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé de te voir en Crocs, gros. Non, mais Crocs, chaussettes, ça passe. Voilà, donc on protège les extrémités. Je les montre ou non ? Non, non. Pas les mollets, parce que je, ça dure combien ? 3 minutes ? 3 minutes, ouais. En 3 minutes, on peut avoir des engelures. Oui. On s'expose entre moins 80 et moins 90, c'est des températures qui n'existent pas sur Terre, ou alors peut-être en Arctique, ouais. En Antarctique. Et les garçons Ok, 31, 30, on va dire 32 à peu près. Ouais. Je suis un homme à sang-froid. Ouais, je préviens un petit peu avant parce que du coup ça va vite. Hein. Quand il va sortir, il va à peu près, vu ta masse, tu peux être entre 15 et 20 degrés. D'accord ? Quand tu vas au niveau de ta peau extérieure. Ok ? Ouais, mais ça y va y aller beaucoup, très vite. Il hein. Y a beaucoup de grains, hein, donc ça tient chaud quand même. Ensuite, on va voir là, ici, quand il va être dans la cabine, on va aller tous les poils, tous les endroits. Là. Ouais, on va voir, ça va givrer. C'est pour ça que j'ai laissé les poils, j'ai fait exprès. Normalement, je me rase. En fait, il y a l'horripilation, les poils se hérissent pour enfermer une couche d'air. Pour protéger le corps de l'environnement avec les températures très très froides. Et puis après il y a la chair de poule, ça c'est une réaction de la peau aussi pour se défendre au grand froid. Et puis il y a des frissons musculaires, c'est-à-dire que les pecs tu vas les voir bouger tout seul. Okay. Ouh là 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 là. Terminator le mec. Bon franchement ça a l'air d'être violent hein. C'est violent. Il y a un choc thermique au départ. Tu rentres dans une enceinte comme ça où il fait très froid et après au bout d'une minute ton corps s'est adapté, s'est défendu. Donc il y a une minute de souffrance après ça passe. Ouais, c'est pas la souffrance, c'est un froid qui est vraiment agréable, à contrario de l'eau froide. Ça va Sanka ? T'es mort ? Approche-toi un tout petit peu, juste pour voir les poils. Donc on voit au niveau des pecs. Les graisses blanches. Ouais, approche-toi un petit peu. Ça augmente les graisses brunes. Voilà, ici, là. Les graisses brunes à l'intérieur du corps, c'est les graisses qui bouffent les mauvaises graisses. D'accord. Donc là, on voit qu'il a la chair d'ampoule. Il y a deux types de graisses, brunes et blanches. Et ouais. La pratique de la cryothérapie augmente les graisses brunes qui bouffent les graisses blanches. Qu'on retrouve sous la peau. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez, mais il a les cheveux qui ont givré. Comme dans Rasta Rocket. Quand on fait du sport. Ouh, il vient de sortir alors. C'est froid. Là, on est à 20. Ouais, donc il a perdu 10 degrés à peu près, même un peu plus. Bah, au niveau de la peau. Ah, c'est déjà parti, ça. C'est déjà parti, il avait les cheveux qui avaient givré. Alors c'était comment ? C'était soutenable ? C'était froid. Ah non, franchement, quand on rentre, ce qui est le plus saisissant, c'est les tutos. Après, ça passe. Je peux sortir. Non, franchement. Quitte tes gants. C'est tenable. Non, moi je les garde jusqu'au bout. Là. Ouais, gars. Ah, les crocs, c'est la crocs. Parfait.
Pourquoi il s'est pris? Ok, là, là. Là-haut. Ouais, vas-y. Ok, donc là on voit rien. Faut juste éteindre s'il te plaît. Excuse-moi. Voilà, y a pas de reflet comme ça. Alors, on a les tétons qui pointent. Ça a explosé. Ok, ça va aller vite, on va allumer. Ouais, ouais. Allume, voilà. Ah, oui. Ouais, attends, c'est bon. Essaye de prendre juste à la sortie. Ouais, ouais, tu sors. T'as 22. Ouais, t'as froid? Parce que le mec est chaud. Il est froid. Non, ça va, il est pas très. Ah non, ça va. Ah, première sensation? Là, mais on sent bien hein, quand même. Hein. Ça pique? Ah ouais, ça pique. Mais. Ça ravigore. Non, franchement, c'était cool. Je serais pas resté une demi-heure, mais. On n'a jamais tant. Tes cheveux vont pas gêner comme ça. Ouais, non, j'ai les cheveux. Ingelables. Je vais juste faire un truc. Attends, je récupère le goût. Il se coiffe à l'anti-gel. Elle était pas mal, elle a passé un peu dessus. Ouais, merci gros, merci. Bon, t'es prête? Ouais. Tu vas tenir 3 minutes? Bah, je vais essayer. J'ai peur. Tu tapes à la vitre? Ouais. Vous me faites sortir, hein. Ah, mais c'est pas fermé, hein. C'est pas fermé à clé, hein. Non. C'est pas verrouillé, hein. Non. C'est bon? Ouais. Allez, c'est parti, tiens. Et ici? Hop. Allez, bon voyage. Elle a fait un petit cri. Ouais, juste éteint, hein, et c'est nickel. Voilà, nickel. Ce que je disais, c'est qu'en fait, tu vois, c'est une cabine où tu peux être à deux dedans. Ouais. Où tu peux venir avec Capucine, par exemple, et faire une séance. D'accord. On fait des promos pour la Saint-Valentin. Et vous êtes les seuls à faire ça? On est les seuls à Lyon à avoir une cabine de cryo électrique. Déjà, on a été les premiers en France, le premier centre privé à proposer la cryothérapie en plus de l'INSEP, qui est un centre qui est sur Paris, et puis avec ce système à Lyon on est les seuls. Ok, on met en barre d'infos hein, si vous voulez aller checker. Une minute trente, la moitié. Tu as fait la moitié. 1 minute 30, ouais. Approche un petit peu, on voit tes cheveux en fait. Viens voir, il y a tes cheveux. Voilà, des cheveux blancs, ça y est, les cheveux blancs. Vas-y, approche encore un petit peu, regarde les cils. Les cils. Non, juste les cils. Elle a les cils qui ont gelé. Je sais pas si on les voit bien. Si on les voit bien. Alors là, ça tremblote là. Allez, vas-y. Il est aussi. C'est bien. Ah, t'as tenu. Oh. Bon, après la cryothérapie, c'est l'heure de passer à table. Donc, moi, saumon, chirashi, deux saumons, il y a du riz en dessous. Et deux brochettes de bœuf au fromage. Et Cap, elle a du riz, des brochettes, un petit mix de maquis. Bon appétit. Merci. Franchement, c'est super bon, c'est un truc de ouf. Bon, en tout cas, Planète Sushi, Breton Lyon, c'était très très bon. Bon, petit retour sur la cryothérapie, c'était hier. Donc hier, je suis rentré, j'étais en pleine forme, bien comme il faut. Milieu, voire fin d'après-midi, j'ai pris voilà la frappe, j'étais fracassé. Donc il m'avait prévenu, moi je me disais, ah ben non, ça me l'a pas fait et tout, ça m'a pas fatigué. Mais franchement, ça m'a tué, je devais sortir le soir, j'avais une soirée, je suis pas allé, je restais chez moi comme une petite vieille. Donc aujourd'hui, y a pas moyen, ce soir ça sort, resto. Mais en attendant, je pars à l'entraînement, c'est samedi matin, je vais m'entraîner avec Nas. Parce que Lolo il répond pas là. À mon avis, lui, hier soir il est sorti. Et cet après-midi 14h30, un meet-up à Fitness Boutique Ebain. Donc en fait ils inaugurent le nouveau magasin de Fitness Boutique à Ebain. Et nous on est invités et vous êtes tous invités à venir nous voir. À l'heure où ça sortit, c'est déjà fait. Je mettrai les images. Et surtout, il faut que Lolo il me coupe les vaches avant. Parce que là, ça craint vraiment. Là, j'ai la casquette, elle est vissée sur la tête carrément. Et normalement, il va y avoir Raph et Chaud aussi ce matin. On va le faire souffrir un peu.
On va faire dire. Bonjour. Hello. Mais quel bonheur. Mais quel bonheur de retrouver Raphaël Chaud. Ouh, il a mis le petit maillot de Los Angeles Galaxy qu'on lui a ramené de LA. Eh, t'as vu l'heure? Et alors? T'as vu l'heure ou pas? On avait rendez-vous à quelle heure? Déjà? Pardon? Tu m'as dit 9h30, non, pas trop près. Tu m'as dit 9h30. Non, après, t'as changé. Tu m'as dit 9h30. Après, je t'ai dit 10h et il est 10h20. Ouais. Bravo. Déjà, je suis là depuis au moins 25 minutes. Bon, on attaque dans le vif du sujet aujourd'hui. On va faire les pecs, donc c'est toute sa vie. Il faut savoir qu'il a fait les pecs, c'est toute sa life. Pec d'eau. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de TWM du mois de février. D'accord. Donc ça dépasse toujours un peu sur le mois d'après. On fait entre 4 et 5 semaines chaque programme. Dernière séance aujourd'hui avant d'attaquer tous ensemble le nouveau lundi. Donc rejoignez-nous sur bodytime.fr si c'est pas déjà fait. Hein. Sur ta gueule. Et alors, ça fait quoi de rentrer de Thaïlande? Ça fait mal. Sous la pluie. Hein? Ah, on faisait le malin, hein? Je m'en bats les couilles, je repars bientôt. On s'échauffe, Mais c'est quoi? C'est une nouvelle casquette, ça? Une nouvelle casquette, t'es sérieux? Mais toi, tu me regardes plus, toi. C'est tout comme au début entre toi et moi. Hein. Mais c'est ça, mais depuis... casquette, ça fait au moins une pige quand elle a sorti. D'ailleurs, toujours dispo sur bodytime.fr. Ouais, mais depuis que tu pars en Thaïlande, je te reconnais plus. T'as changé. C'est pas moi, c'est toi qui as changé. T'es plus pareil, t'es plus aussi souple qu'avant. Et après, avec grosse tête. C'est le succès, ça. Allez, c'est cadeau. Aujourd'hui, je vous donne la séance en entière. Tonton, il fait le cadeau. C'est gentil, non? Il est trop généreux, ce garçon, mais c'est incroyable. Alors, t'es content, toi, que je te filme comme ça? Nas, il est là. Au max de ses capacités. 22 kilos par bras. Bon, pour l'échauffement, pour les pecs, je vous dis comment je fais. Moi, c'est très simple. Échauffement articulaire. Donc pendant 2-3 minutes tranquillement, ensuite 20 kg, 30 kg, 40 kg en série et on commence avec les 50 kg. Quand il fait ça, ça veut dire articulaire, d'accord? Voilà, ça c'est articulaire. Ça tourne. Est-ce que ça tourne? Ça tourne. Je vais te faire ma série. Il y a un mec, je vais te le montrer. T'as un Romain. Tu sais quand tu manges les pastèques. Oh, ah oui, mais je l'ai vu. Tu l'as pas vu avec le jus d'orange? Avec son croissant. Il est bon. Ouais. Ah ouais, ah il est bon. C'est délicieux. Oh mon dieu. Bâtard. Un vrai attaque. Il met le micro devant sa bouche quand même. Un vrai attaque, ouais. Allez voir, bien sûr. Hein. Je crois qu'il s'appelle Noir et Belle ou un truc comme ça. Un truc, je crois. Ouais, mais il est connu. Le pain raisin. Glacé. Sucré. Appétissant, qui fait plaisir. Va. Dis pas combien, tu dis comment. Comment? Hein? Et Maurice? Combien pour bien arriver lundi? Dis-moi combien. On a beaucoup. Maintenant que deviennent. Allez, photo. Il est chaud, Chris. Tu te regardes 3 heures ou tu fais la série? Allez, gros. On va essayer 50-50. Non, mais là, un mytho. On l'a vu, gros. On va pas tout de suite après. Il a voulu nous niquer. Grave. Raphaël Chaud,
m'a dit je vais tester les 50. Voilà. Tu vois, depuis mercredi, depuis le Paris Saint-Germain Barça, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. D'ailleurs, tu n'avais pas parié ce match. Si. T'avais parié quoi? J'avais parié match nul. Ah ouais, bah t'étais pas loin. Hein. Pas loin. Franchement, vraiment pas loin. À 5 buts près, j'étais pas loin. Non, tu me les passes? Ah d'accord, ah ouais. Ok, faut que je te les passe. Ah oui. Alors attendez. Ah oui. Faut que je lui passe les haltères. Est-ce qu'il faut aussi que je te les descende et que je te les monte? Ouais. Oui, il fallait faire une syncope. Enfin. Le mec, il me laisse mourir sous les haltères. Faut faire du sale ou pas? Faut faire du sale, mais vivant. Neutre, neutre. Paume de... ouais. Pardon, papa. Écoute, si tu viens avec moi, tu respectes mon programme. Et là, il fait le mec easy. Il fait le mec. Il fait des têtes de beau gosse et tout. Padels. Quel con. Ah, c'est fini. D'accord, ça, c'est... tu fais quoi, un échauffement en fait hein? Un peu, c'est vrai. Le mec il se fout de notre gueule, il vient à la muscu. Gros, c'est un manque de respect ça. Il force pas. On voit ça, gros. Eh, hey, gros, elle est lourde la casquette. Ah, j'avais pas vu. Ah, t'avais pas vu? Ouais. Ah, celle-ci, tu sais que tu peux la retrouver sur www.bodytime.fr. Oh. Oui, oui, oui. Je vais aller chercher ça. Eh, mais en vrai, les bulles, c'était comme ça à l'ancienne. Hein. Encore, hein. Ah merde, putain, ça a pas filmé. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Ah, on est gros. J'arrive pas à m'entraîner avec vous. C'est le samedi. À chaque samedi, il faut faire. Allez, fais le beau gosse, hein. Ah, mais là, c'est lourd, c'est un peu trop lourd pour faire. Ta pète. Allez, fais le beau gosse. Voilà. Pensez à bien vous accueillir. Force pas trop, hein. T'inquiète. Afin de bien préparer votre organisme à l'effort. Ça va. Fais pas du sale, nous. Est-ce que je fais une tête un peu. Un peu. Hein? Un peu beau gosse. Je ressemble un peu à Brad Pitt. Hein? Un peu. Tout le monde me dit ça. T'as le même teint. Petite tête de beau gosse. Parfait. Je pense que tu peux séduire la planète comme ça. Ah, il est passé à 38, hein. Change de mouvement, gros, t'es pas bon là. Ah oui, c'est vrai. Non, voilà. 44 là-haut. Ouais, c'est ça. Je reprends tes vannes. Moi, c'était pas une vanne, c'était vrai là qu'on te tarasse. Non, c'est pas Étienne le vanne. Enfin, attention, t'as un double menton. C'est force. Reste deux secondes. Vas-y. Ok. Là, je vais lui mettre ça, laisse deux secondes. Laisse deux secondes. Qui ne t'entraîne rien. Ok. Les gros. Bon, alors là, on a fait notre troisième exercice. Ok, toujours pour les pecs. Un bras après l'autre. Ok. Et là, vous gardez une contraction volontaire. Ici. Allez, pause, mon ami, pause. Donc là, je reste au milieu. Vous voyez, le temps sous tension est phénoménal. Vous devez beaucoup décharger comparé à une exécution classique, les deux pour même temps. Là, ici. En bas, je suis toujours en contraction. Ça contracte. Mais c'est que ça transpire, dis-nous. On va cibler un petit peu plus les triceps, l'intérieur des pecs, avec le coucher, prise serrée, à la barre. Vous pouvez très bien le faire avec une barre au Z aussi, si vous êtes plus à l'aise. Alors ça, c'est barre au Z. Hein. Il est con, mais qu'il est con. Thank you.
sûr de moi sur la dernière. J'ai posé quand même entre temps. Bah il faut hein. Bien que moi on est parti au sentier. Tu rentres dans un bar, elle dit mets moi un jean s'il te plaît. On dit tu veux quelle taille mon ami. On est toutes les tailles. Ah, j'ai plus rien, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous Maurice. Toi t'as des sous toi. Graf et chaud, YouTube ça paye hein. Ah ouais putain, ça y est, ça rase. Bon la séance s'arrête là pour moi, comme vous savez que je fais pas les bras, mais je vous mets quand même la séance en entière. Raph et Nas, eux ils vont la continuer. Maintenant Louis qui me rejoint chez moi, il est l'heure de passer au chantier. Bonnie, tu bronzes? Bonnie qui bronze tranquille. Bonjour. Vous allez bien? Je m'en bats les couilles. Ça va? Ça va pas gros. Alors? Attends. T'es contente? Elle est contente. Ah. Le S. Elle a dû prendre 5 kilos. Je t'ai pas vu depuis 3 semaines. T'es bien là comme ça? Poids de forme. Parfait pour l'été. Athlétique. Cappuccino, ah. L'élaboration du repas. Si. Elle est là. On va faire des. Ça énerve quand t'as chez des avocats super chers. Et que tu les ouvres, ils sont pourris comme ça. Ouais, nous on est toujours là pour revendiquer quoi. Quand il y a toujours des faits de société, on est là, tu vois, en mode résistance, Black Panther, tout ça quoi. Donc pain de seigle. Dessus, il y aura de l'avocat bien sûr, la truite fumée, quelques petites tomates cerises à côté, et la graine de chia, poivre, du sel aux légumes et herbes aromatiques, et ainsi que de l'échalote. Et des épices. Pour guacamole. Et des épices pour guacamole. C'est bien. Voilà, le mec il croit qu'il lui a appris quelque chose, il est juste fatigué gros. J'ai vu John Café l'autre soir à la télé, ça m'a donné des idées avec Mr. Jingle. Et voilà à quoi ressemble l'assiette, je peux vous dire que ça c'est une tuerie. Il se moque de mon bureau. C'est très beau. Nouvel emplacement de mon bureau. Je suis un peu artiste, je regarde la montagne. Te connaissant, tu dois passer près de la moitié de ton temps en train de regarder un truc par la fenêtre. Non. Il est plané. On est là gros, on est là, on bosse. Tac tac tac. Il est l'heure. Alors on a coupé derrière, on a fait le carré. Petit carré. Alors il est là, il a fait un carré plongeant ou carré pas plongeant? Carré pas plongeant. Ah oh là là, ouh, il est tout prêt là. En fit drivers. Donc ouais, où les caleçons? Ah là là, et tout de suite. Tu veux le voir? Allez c'est parti, on y va? On y va. On est là, on est arrivé hein. Gary est là. Le skieur fou, vous connaissez. Salut, ça va? On rentre par derrière, tu vois, l'entrée des artistes. Allez, allons-y, les chansons là, les chants attendent. On va découvrir. Bonjour. Ah ouais, il y a du monde quand même, hein. Ils sont calmes, hein. Bonjour. Bonjour, je suis Pascal. Oh là là. Il devient fit le Pascal. Je deviens fit. Tu sais quoi, je vais changer. Je vais mettre quand Pascal, tu fit. Non, quand tu fit. Quand tu fit. Bon, on est de retour chez moi, Lolo est toujours là, et on va choisir ce qu'on met comme sap, parce qu'il y a la boutique Hades dans mon bureau. Alors, on fait quoi? On se prépare, gros. On se prépare. Tu veux pas recommencer? J'avais pris des ravioles. Ouh, il est l'heure de passer à table. Et alors, comment elle va l'épaule? Elle va mieux. Ça va. Bon, ça commence. Une petite terrine de bœuf et foie gras. Pour Grégos, c'est l'œuf à 64 degrés. Et comme Loïc derrière, Lolo, il a pris pareil. Bonjour, mais moi l'œuf est parti. Et voilà, deux desserts juste pour moi, au calme. On mange propre, on s'entraîne sale. Exactement. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient où veulent l'engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à vendre.
1998. Non, non, non. Ouais. Game X13 comme vous ne l'avez jamais vu. Là, ça fait, comment les merguez toi. Ah les merguez. Alors je veux qu'ils les mettent dans un sac et qu'ils mélangent comme ça. Oui, on y va. Bon, on peut dire que le réveil fut difficile. Je suis rentré à presque à 6h du matin. Et j'ai fait du montage toute la journée. Là j'ai pris une pause. Sortir Bonnie, Bonnie, Dan. Dan. Oui. Allez chercher. Donc je vous disais, j'ai pris une pause pour sortir Bonnie, et parce que ce soir il y a deux vidéos qui sortent, une vidéo sur Bodytime, une vidéo sur Alex EPJ. Sur Bodytime c'est le vlog numéro 9 en Thaïlande, et sur Alex EPJ le vlog numéro 2 en Thaïlande. Voilà, je me suis donné du mal, j'espère que ça vous a plu, en tout cas c'est déjà sorti. Là on arrive à la fin de ce vlog, je vais quand même vous montrer le cheat meal du jour parce que c'est dimanche et on continue, d'accord? On s'arrête pas en si bon chemin. Et là c'est l'heure d'une petite collation, voilà, une petite boîte de 20 nuggets, cheeseburger, nature, hein. Je ne prends pas la sauce, attention, j'ai un mec healthy. Les frites, la sauce chinoise qu'il ne faut pas voler à Capucine, sinon elle s'énerve. Elle n'était pas contente, ils en ont mis que 3, c'est un scandale. Bon bah c'est parti, je reprends le montage vidéo. Et pensez aussi à aller checker les vlogs sur la chaîne Alex EPJ, franchement, ils sont mortels. Moi c'est ceux que je prends le plus de plaisir à regarder. Et qui me font le plus rire, donc allez checker. Vu que j'ai dragué quoi, allez checker. 9h30, les deux vidéos sont enfin en ligne. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est pas le cas, allez checker. Et dites-moi ce que vous pensez des gars qui mettent ce genre de lunettes. Allez, j'espère que vous avez kiffé le vlog. C'était Alex, je vous dis à très vite et surtout d'ici là. Gardez la pêche. E.T. téléphone. Maison.